Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur de l'art. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le recteur de Paris, chancelier des universités, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, 100 ans. Il y a 100 ans, se préparait l'un des épisodes les plus effroyables de l'histoire de l'Europe et du monde. Le projet politique du comité Union et Progrès, visant l'extermination totale du peuple arménien, allait être mis à exécution, déclenchant un crime de masse inouï par son ampleur et par sa nature. Un génocide, le premier génocide contemporain, si l'on accepte le génocide du peuple héréro en 1904, parfois qualifié de génocide colonial. Le premier génocide contemporain, donc, allait être perpétré. Aujourd'hui, 100 ans après ce génocide, quel plus beau symbole que cette assemblée de chercheurs, d'historiens spécialistes du monde entier, mis collectivement au service de la compréhension, de la connaissance et de la reconnaissance de ce qui s'est passé. Quelle plus belle réponse à la barbarie que ces intelligences rassemblées ici pour sans relâche aller plus loin dans la quête de la vérité scientifique et faire progresser la connaissance universelle. Quel plus beau symbole, enfin, de la volonté de transmettre la mémoire aux générations futures que ce lieu prestigieux et solennel, le grand amphithéâtre de la plus ancienne de nos universités. Celui-là même qui accueillait le 9 avril 1916 le meeting en hommage à l'Arménie en présence de Paul Deschanel, président de la Chambre des députés, de l'écrivain Anatole France et du ministre de l'Instruction publique de l'époque, Paul Painlevé. Paul Painlevé s'élevait alors, avec d'autres, les mêmes qui avaient défendu Dreyfus, pour dénoncer haut et fort le crime qui était en train de se commettre. Je le cite. Le cauchemar est devenu aujourd'hui une présente réalité. Les massacres qui, depuis un an, ensanglantent l'Arménie, dépassent par leur ampleur et leur cruauté les plus atroces légendes de tous les siècles et de tous les pays. Aujourd'hui, l'écho de ces voix-là résonne encore à nos oreilles. Je souhaite remercier sincèrement le Conseil scientifique international pour l'étude du génocide des Arméniens, ainsi que tous ses partenaires, parmi lesquels la mission 2015 du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, le Conseil régional Île-de-France. Merci à eux pour avoir organisé ainsi la plus grande manifestation pour le centenaire de 1915. Ce colloque, sous le haut patronage du président de la République, associe de hauts lieux pour la recherche française et pour la transmission du savoir à Sorbonne, mais aussi le mémorial de la Shoah, l'École des hautes études en sciences sociales, la Bibliothèque nationale de France. Il atteste, ce colloque, de l'investissement dans la recherche sur le génocide d'une large communauté de savants du monde entier. Il va pour la première fois permettre d'interroger le bilan de 100 ans de recherche sur le génocide arménien, mais aussi d'interroger, dans une dimension comparatiste, la spécificité du XXe siècle dans l'histoire de l'humanité. Le siècle qui restera l'ère des génocides et des violences de masse. Le rôle de l'histoire est crucial parce que l'historien a le rôle primordial d'établir la vérité des faits pour faire la lumière sur ce qui a été. Visé par une volonté d'extermination totale, systématique, les Arméniens furent d'abord victimes de persécutions. Ils étaient visés en tant qu'Arméniens parce qu'ils étaient Arméniens. Parce qu'ils représentaient l'âme et la culture arménienne. Des artistes, des intellectuels, hommes et femmes, furent poursuivis et arrêtés. Ils payèrent un lourd tribut. Le 24 avril, le musicien Komitas fut arrêté, ainsi que 650 autres intellectuels. La vie du plus grand génie de la musique arménienne, qui avait sauvé de l'oubli les plus beaux chants populaires arméniens, fut brisé à ce moment par les épreuves de la déportation et de la torture. Il sombra définitivement dans la folie. Le poète Daniel Varoulan, l'un des plus grands poètes de la littérature arménienne, fut lui aussi arrêté le 24 avril, avant d'être sauvagement assassiné le 23 août 1915. La romancière et poète Isabelle Essayan fut elle aussi ciblée par la rafle. Elle en échappa miraculeusement.
Elle travailla par la suite sans relâche, méticuleusement, à recueillir les témoignages des survivants du génocide, jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par une autre barbarie, celle du goulag de Staline, où elle disparut en 1943. La volonté exterminatrice s'est poursuivie implacablement. Tout le peuple arménien était visé. Les hommes furent assassinés. Les femmes et leurs enfants furent massacrés, déportés dans des conditions effroyables. Ils moururent en chemin, d'épuisement ou enfermés dans des camps. Leur mise à mort en Syrie, en Mésopotamie, dans le berceau de la civilisation européenne, s'est produit là où d'autres atrocités sont commises aujourd'hui. La recherche a permis d'estimer que de 1915 à 1917, les deux tiers des Arméniens, au moins 1 300 000 personnes, perdirent la vie du fait des déportations, des camps de concentration, des exécutions massives. La recherche a permis d'étayer, d'analyser ces faits et de les nommer du nom de génocide. L'étude rigoureuse des sources, des témoignages, des survivants, des documents, a permis d'établir cette vérité qui ne fait plus débat dans la communauté scientifique. Il n'est pas de terme plus approprié dans notre langue que celui de génocide, forgé par le juriste Raphaël Lemkin en 1943 pour nommer l'innommable, pour qualifier la volonté systématique de destruction d'un peuple pour ce qu'il est. Mais si le travail des historiens est de connaître, il est essentiel aussi parce qu'il fait vivre la reconnaissance. La République française a pris acte de l'avancée de la recherche historique et a fait inscrire dans l'article unique de la loi du 29 janvier 2001, la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Cette reconnaissance est essentielle, car c'est aussi la reconnaissance due aux 500 000 Français d'origine arménienne, descendants de survivants, à tous ceux d'entre eux qui, réfugiés en France comme l'était Missak Manouchian, se sont battus pour la France et sont morts pour elle en héros. Cette reconnaissance est de façon universelle la reconnaissance que l'on doit aux individus persécutés, aux minorités opprimées, aux peuples menacés dans leur existence. C'est aussi ce qui conduit la France à affirmer que le négationnisme est intolérable, car le droit est ce qui protège contre toutes les formes de manipulation. Et c'est la position de la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Les diasporas arméniennes vivant dans des pays libres ont magnifiquement illustré à quel point la connaissance scientifique est une arme essentielle pour la reconnaissance et contre le négationnisme. À l'image d'Archak Tchobanian, arrivé à Paris en 1895 pour prendre la défense de son peuple précipité dans des massacres inhumains, les massacres hamidiens. À l'image donc d'Archak Tchobanian, les intellectuels arméniens ont fait inlassablement du livre et de l'écrit un combat pour la vérité. Dans le domaine de la recherche, nous devons beaucoup aux historiens d'origine arménienne, les grands historiens français, Anaïn Terminassian, Raymond Cavoquian, tant d'autres encore, mais aussi les grands historiens américains, Bach, D'Adrien, Richard Manissian et bien d'autres encore. En Turquie, les Arméniens travaillent main dans la main avec des intellectuels et historiens turcs, dont certains ont payé de leur vie ce combat pour la vérité. Je pense en particulier à Randin, assassiné le 19 janvier 2007. Je veux remercier la politiste Bursa Ersanlu, l'éditeur Ragıp Zarakoğlu ou encore Fethiye Çetin qui sont présents parmi nous. Mais les chercheurs d'identité arménienne n'œuvrent pas seuls. Et ce centenaire de l'événement installe les historiens arméniens au cœur de l'histoire globale des sciences sociales des génocides. Il est l'occasion, et ce colloque en est la manifestation, l'occasion de faire passer le génocide arménien à un statut d'objet historique global. En France, le désenclavement de cet objet d'étude, dont Yves Ternon puis Pierre Vidal-Naquet ont été les précurseurs, le désenclavement de cet objet d'étude s'est poursuivi avec l'apport des spécialistes de la Première Guerre mondiale. Les historiens de la Grande Guerre l'incluent désormais pleinement dans l'étude et dans la compréhension des phénomènes extrêmes de violence guerrière. L'apport de la turcologie a été aussi déterminant et
les spécialistes du monde turco-ottoman ont su aborder, pour beaucoup d'entre eux, l'événement sans concession. Enfin, l'étude comparée des génocides a permis d'éclairer cet événement à la lumière de la recherche sur la Shoah, mais aussi de la recherche en plein essor sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui, c'est fort de la somme de ces recherches que nous pouvons nous souvenir collectivement et rendre hommage aux victimes. La recherche, le livre, la création sont aussi un apaisement à la douleur des mémoires. Ce sont autant de ponts jetés entre le passé et l'avenir. Oui, le travail des historiens est décidément essentiel et précieux. C'est lui, enfin, qui permet à une nation de regarder plus loin vers l'avenir et d'empêcher les massacres de se reproduire. L'histoire, comme science du passé des nations, en nous apprenant d'où nous venons, nous permet aussi d'éclairer ce qui vient. Parce que grâce à elle, nous pouvons nous projeter collectivement, elle nous aide à construire notre citoyenneté. Une citoyenneté républicaine, ici en France, une citoyenneté fondée sur le savoir, la connaissance, le refus de la fatalité, dans laquelle l'école a évidemment, vous l'avez dit, un rôle central à jouer. C'est elle, cette école, qui peut semer les germes d'une mémoire partagée. C'est elle, cette école, qui peut rendre réelle la promesse de la République faite à ses enfants, de les faire grandir dans l'égalité et dans la tolérance. Je veux rendre ici hommage à tous les professeurs d'histoire-géographie de France qui y contribuent au quotidien. Le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, qui fait partie de notre mémoire à tous, est étudié aujourd'hui par tous, au cours de la scolarité obligatoire en classe de 3e. Merci à eux, ces professeurs, qui contribuent à l'éveil de la citoyenneté, à la culture du débat d'idées, à la lutte contre les préjugés, contre toutes les formes de persécution. Eux qui aident les jeunes à comprendre la différence entre la controverse, le dialogue, qui sont à la source même de la connaissance, et la manipulation ou la falsification. À l'école, les élèves doivent apprendre à comprendre le monde, mais ils doivent aussi apprendre à vouloir changer le monde. C'est le sens des réformes que nous adoptons, avec la mise en place dès la rentrée prochaine d'un enseignement moral et civique à chaque âge de la scolarité, mais aussi avec cette réforme du collège, faite pour que les élèves participent, coopèrent, prennent confiance en eux, prennent confiance dans les autres. Oui, l'école a un rôle majeur à jouer en matière de transmission de la mémoire. Mais elle ne peut pas le faire seule. Elle a besoin de l'appui de la recherche. Et cet engagement se poursuit dans l'enseignement supérieur et la recherche, où les études sur les génocides doivent pouvoir encore mieux trouver leur place, comme les Genocide Studies ont pu trouver la leur outre-Atlantique notamment. Par l'ampleur des questions qu'elles recouvrent, ces études concernent de très nombreuses disciplines scientifiques, dans les sciences humaines et sociales, bien sûr, mais bien au-delà. Alors que nous entrons dans le 2e siècle de recherche sur le génocide arménien, je vous annonce ici souhaiter lancer une mission d'étude dressant un état des lieux de la recherche sur les génocides pour permettre à ces études de se développer encore. Confronter les points de vue, comprendre ce qui a conduit aux événements tragiques du passé, c'est indéniablement ce qui nous permettra de prévenir la possibilité de leur répétition demain. C'est ce qui nous permettra de continuer le combat contre l'oubli. Et c'est le sens, je crois, que le président de la République a souhaité donner à ce colloque qui se tient sous son gros patronage. En attendant le 24 avril prochain, je me rendrai à Erevan, aux côtés du président de la République, pour la commémoration internationale exceptionnelle. J'aime avoir, dans la tenue de ce grand colloque, à la Sorbonne, une promesse d'inscription durable de cette histoire dans le présent et dans l'avenir. La définition même au fond de ce que l'historien Thucydide appelait un trésor pour l'éternité. Je vous remercie d'y contribuer. C'est un moment très important ce colloque. C'est très important de souligner le rôle des chercheurs. Arméniens, français, du monde entier, des historiens en particulier qui ont mené ce travail de mémoire dont nous avons besoin
pour ne pas reproduire les mêmes errements. Je suis là en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et j'ai annoncé notamment le lancement d'une mission pour que nous ayons un état des lieux de la recherche sur les génocides du XXe siècle. Mais je suis aussi là en tant que ministre de l'Éducation nationale, chargée de transmettre par le biais de l'école à tous nos élèves la mémoire de ces crimes atroces pour éviter qu'ils sombrent à leur tour dans le rejet, les discriminations, l'exclusion, le racisme, l'antisémitisme. Ce sont des sujets qui malheureusement sont d'une actualité encore brûlante et nous avons besoin des travaux de la recherche pour nous éclairer. Voilà, il faut se projeter dans l'avenir et essayer non seulement d'apprendre à ne pas reproduire ces atrocités, mais aussi de construire un monde meilleur. Et c'est sur nos jeunes que pèse aujourd'hui cette responsabilité. Nous sommes là pour les y accompagner. Merci.